Salut les gars, j'espère que ça va aujourd'hui. Bon, voilà, je vous fais une petite session d'écoute sur du jazz avec les Zeltax PWR 1959 contre les Serwin Vega XLS15. Et je peux dire que c'est très très bon. Donc je vous laisse une petite session de 10 minutes environ. Et après, on fera des petits débriefs, tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, je vous laisse écouter tout ça. Allez, c'est parti les gars. Thank you.
Bah les amis, j'espère que cette petite écoute vous a plu en petit préambule. Franchement, je sais pas si t'as remarqué, mais bon, c'est vrai que sur les Zeltax, t'as quand même de l'aigu, t'as l'aigu qui est là, tu vois, c'est détaillé, tout ça. C'est très flatteur, mais le côté avec le médium plein, comme je te dis, avec ce son qui est très homogène sur les Serwin Vega, c'est hyper agréable. Franchement, c'est top. Surtout sur bah là, par exemple, sur le saxo. C'est bon, franchement c'est bon. Après tous les petits sons, la gratte, tu vois, par exemple, j'aime bien aussi sur les Zeltax, mais d'ordre général, c'est vraiment les Serwin Vega là que je préfère, vraiment. Parce que là, tu vois, là, on écoute un volume cordial. Si on écoute dans une plus grande pièce, vraiment, je pense que bah voilà, il n'y aura pas photo pour les Serwin Vega. Mais après, dans tous les cas, tu vois, j'étais en train de me poser la question si on pouvait pas faire une petite écoute inversée. Tu vois, où je mettais les enceintes là, et moi je me mettais là-bas avec la caméra, comme ça on aurait beaucoup plus de recul. Mais bon, déjà, on a déjà un avis sur les enceintes. Et ça sonne vraiment bien. Donc, c'est vrai que pour ceux qui peuvent penser à des enceintes un petit peu autres que Hi-Fi, ce ne sont pas des enceintes de Sono, et on a vraiment une restitution Hi-Fi, et vraiment du plus bel effet. C'est top, je kiffe. Voilà les gars. En tout cas, ça change, là, t'as vu, par rapport aux enceintes, les BC acoustiques, tout ça. Enfin, de toute façon, c'est tellement varié sur ma chaîne que voilà, il y aura de tout.